Brigade de lecture, c'est un honneur hein, de vous avoir tous avec nous pour fêter cet événement. Voilà, ça c'est un chef brigadier, ça c'est un autre chef brigadier. Alors on a deux chefs brigadiers et du coup je vous propose un jeu magnifique. Vous l'avez tous deviné, top chef. Beaucoup trop médiatique. Bonjour et bienvenue ici dans l'émission de TV sur Air. Ça s'est passé près de chez vous, ici à la salle du Randzé. Je suis avec deux jeunes et jolies femmes qui m'accompagnent. Merci beaucoup. Donc d'abord Aude. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, Aude ? Alors moi, je travaille pour l'association Pâques la Lune et je suis médiatrice culturelle et sociale. D'accord. Et nous avons également Emmanuel. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici, Emmanuel ? Et moi, je suis comédienne au sein de la compagnie Pâques la Lune. Voilà. D'accord. Alors, Pâques la Lune, donc, c'est une association qui réveille le brigadier de lecture qui est en nous. Aude, alors, qu'est-ce que c'est Pâques la Lune ? À quoi sert cette association ? Alors, Pâques la Lune, c'est une association, mais c'est aussi une compagnie. En fait, on développe des créations artistiques. On met en place des créations artistiques, dont les brigades de lecture. Mais on fait aussi des animations sociales et culturelles dans les quartiers, à Nantes Nord et ici au Ranzé. Et puis, il y a tout un volet aussi de pratiques artistiques un peu partout à Nantes, dans son agglomération. D'accord, des animations donc autour du secteur du Randzé avec Emmanuel entre autres. Alors Emmanuel, comment ça se passe ces animations ? Je tiens à le préciser, nous ne sommes pas animateurs, nous sommes comédiens et on a un rôle de brigade de lecture. Voilà, on est des brigadiers, moi je suis une brigadière. En fait je suis un personnage qui invite les gens à la lecture et je leur lis des textes aussi, qu'on a choisi des extraits de romans, de pièces de théâtre, de poésie, de chansons. Nous répondons donc, le scotch ! Bravo, c'est ça, on les applaudit bien fort, c'était la bonne réponse, merci. Pour ce messieurs, on reste concentré pour la deuxième question. Comment on fait pour réveiller le brigadier de lecture qui est en nous ? Eh bien, il faut susciter l'envie de lire, la curiosité, l'imagination, et voilà, à force d'entendre des textes lus par des comédiens, joués de façon ludique, je pense que ça donne envie aux gens d'ouvrir un livre et soit de continuer l'histoire qu'on leur a lue, soit d'aller en lire une autre. Vous êtes les plus beaux amis du monde. C'est à tomber par terre. À ne pas en revenir. À ne pas s'en relever. On vous a appelé pour vous dire, venez. On a quelque chose à fêter. Et vous êtes venus. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait ? Fête.